Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je reviens sur le couronnement de Charles III. J'avais fait déjà une vidéo concernant les prophéties sur l'Angleterre, notamment suite au décès de la reine Elisabeth II. Donc là, je voulais faire à nouveau une vidéo concernant le couronnement de Charles III, parce qu'on sait que, comment dire, selon les prophéties, devrait se passer pas mal de choses, hein, notamment un règne assez court. Donc on va le voir notamment avec les prophéties, je vais en reparler à nouveau. Suite à une analyse aussi astrologique forcément en fin de vidéo. Donc la vidéo sera en deux parties, je vais d'abord parler des prophéties. Donc j'avais fait une vidéo hein, déjà sur les prévisions au niveau astrologique sur Charles III. Pour savoir au niveau de son règne comment ça se passe, comment ça va se passer. Alors c'est vrai que j'avais dit qu'à partir de mars, il pourrait y avoir éventuellement commencement de soulèvement, des problèmes pour diriger le pays. Alors c'est vrai que c'était pas aussi catastrophique que ça, mais on a quand même des problèmes au niveau énergétique. Et donc en Angleterre, il y a beaucoup de soulèvements sociaux aussi, il y a beaucoup de gens qui. Les ouvriers qui en ont marre et tout ça, donc il y a beaucoup de revendications et beaucoup de gens qui contestent le trône de Charles III, donc ils le considèrent pas comme leur roi, notamment avec son passé assez compliqué, qu'il a aussi mêlé, on va dire, des histoires de pédophilie entre autres, et aussi il fait partie on va dire, du gratin, hein, de l'élite, hein, notamment avec Bill Gates, le forum de Davos, etc. Donc déjà, ce qui est intéressant par rapport à ce show du couronnement de du roi Charles, là, ça a été truffé d'événements bizarrement étranges. Alors déjà, il faut savoir que cela se passe 6 mois, 6 semaines et 6 jours après les funérailles d'Elisabeth II, le 666. Alors en fait, il y a eu 229 jours entre le 19 septembre 2022, date de décès d'Elisabeth II, sa mère, et le 6 mai 2023, donc date du couronnement. Donc si on fait un calcul direct, ça fait à peu près plus de 7 mois en fait. Mais si on calcule 6 mois qui font 180 jours, plus 6 semaines, 42 jours, plus 6 jours, ça fait 180 plus 42 plus 6 égale 228, ça fait 228 jours. À quelques heures près, c'est 666 quoi. Donc le 6 mai 2023, on peut voir aussi au moment du couronnement que ça fait 6 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 18, qui fait 666, 6 fois 3, 18. Alors, on a eu cette vidéo aussi sur une faucheuse qui fait son apparition. Je vous laisse la voir. Cameras to be focusing on. On a également aussi cette bite, entre guillemets, ce phallus qui est dessiné sur la pelouse de Buckingham. C'est assez étrange. On a aussi un garde royal qui s'est effondré. La femme de Joe Biden qui est venue à la place de Joe Biden qui n'a pas pu venir, donc Jill Biden qui est venue mais qui a été reléguée dans les gradins au fond de la salle. Il y a eu des garçons de la chorale qui semblaient chanter White Hat et White Hats, chapeau blanc. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a eu un grand signe Q aussi pour que tout le monde sache qui est derrière la production. Bon, bref. On a eu la foule aussi qui hue et qui fait un doigt d'honneur donc au passage du cortège du couronnement de Charles. Donc c'est vrai que tout ça annonce rien de bon. Est-ce que ça peut annoncer la fin du début de la fin du règne de Charles III qui ne sera pas longtemps, parce qu'on avait vu que. Enfin, qui sera pas long, parce qu'on avait vu déjà que les précédents Charles n'ont pas duré en Angleterre. Donc est-ce que cette malédiction sera toujours le cas à suivre? Alors au niveau des prophéties, alors on a au XVIe siècle, en abordant la Sainte Église catholique pour s'inventer une sur mesure, destinée à sanctifier ses passions et ses ambitions. Il y avait Henri VIII qui a semé la graine qui devait aboutir à cette monarchie fantoche où tout n'est qu'apparence d'autorité et de tradition d'opérette. La royauté anglaise est aujourd'hui ce que l'on nomme une monarchie dégénérée. Jésus-Christ n'a fondé que l'Église catholique, le reste n'étant que fausse religion inventée par des hommes avides et perturbés. Luther se croyait possédé, Mahomet avait des crises d'épilepsie et c'est son entourage qui le croyait possédé. Et l'orgueil d'Henri VIII le poussa à vouloir placer sa bonté au-dessus de celle de Dieu. Hors de l'Église catholique, point de salut, mais qui se souvient encore et croit encore à cette vérité première. Toute chose terrestre ayant une fin, les aiguilles de l'horloge céleste marquent les 12 coups de minuit pour les nations et la chute de ce royaume est imminente. C'est l'un des signes qui doit précéder de peu le conflit civil français.
Alors ça, c'est cité du livre de 2021 de Claude Delandil, qui a écrit en 2019, elle avait recensé des éléments qui est à propos de la fin prophétisée de la monarchie. Hein. Et le couronnement Charles III est censé être le dernier de la liste, car après lui, ce serait le chaos. Donc le symbole qui est le Buckingham, logo qui se tend dans le Londonistan, doit connaître d'immenses bouleversements et donner le signal du début des châtiments à l'ensemble de l'Occident. Dans cette spirale de destruction globale qui ne cesse de grandir, certains indices laissent entrevoir une fin tragique pour Charles III et des combats à forte connotation ethnique pour s'emparer d'un pouvoir laissé vacant. L'Angleterre sera punie pour tout, est un thème que l'on retrouve chez Marie-Julie Jaény et Aloïs Hermeyer. Cette patrie des trahisons, de l'argent apatride et de la décadence fait face à son jugement. Les visions d'Aloïs Hermeyer sont sans équivoque concernant l'évolution de sa destruction. La vengeance russe matérialisée par des missiles déclencheurs de tsunami doit se doubler de l'ouverture d'une faille tectonique qui doit faire sombrer une large partie de l'île. Donc il y aurait des anomalies naturelles voilà, qui pourraient advenir lors de telles entrées en fonction, des signes très importants, ils annoncent toujours l'orientation de ce qui doit suivre. Donc je vous conseille aussi de voir le dossier Charles III, regard derrière les murs du palais de l'émission CLA TV. Sur le site www.cla.tv. Donc, le dossier Roi Charles III présente une image tellement différente de celle des médias de masse. Ceux-ci transmettent à des millions de téléspectateurs du monde entier l'image trompeuse d'un monde royal d'illusions à travers une mise en scène pompeuse du couronnement en occultant la réalité qui existe derrière les murs des somptueux palais. Comment est-il possible qu'un sympathisant de la pédophilie est un tueur à gages et un tueur à gages potentiel soit couronné roi et qu'il n'y ait pas de tollé? Donc toujours par rapport à ce livre, en 2021, concernant la fin de la monarchie anglaise, il est écrit « En 1760, le père Nectou prédit le début des guerres civiles. On sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. On le saura à ce signe comme on sait l'approche de l'été quand le figuier commence à bourgeonner. L'Angleterre, à son tour, éprouvera une révolution plus terrible que la révolution française et elle durera assez longtemps pour que la France ait le temps de se rasseoir. Ce sera la France qui aidera l'Angleterre au rétablissement de la paix. » En 1848, on a aussi Madame de Maylane, fondatrice et supérieure des religieuses de l'Immaculée Conception de Rome, qui détenait une prophétie sur parchemin qui aurait été découverte dans le tombeau d'un saint. Le troisième signe des événements va paraître, l'Angleterre se remue, de même qu'on reconnaît que l'été approche quand le figuier pousse, on verra à ce signe que la crise arrive. Quelle mêlée, quel feu, quel carnage, les éléments eux-mêmes prennent part à la perturbation générale. Marie-Julie Jaény mentionne l'Angleterre à plusieurs reprises. Dans la flamme, je lis ceci, j'enverrai de graves punitions et de nombreux fléaux à ces Anglais qui ont été durs. Ma colère et ma vengeance n'épargneront pas ce peuple. Il se lèvera beaucoup de désunion et dans le combat sanglant, il n'aura pour lui que les pierres qu'il foule sous ses pieds. J'y ferai descendre des ténèbres épaisses pendant 7 jours et je couvrirai sa terre de brûlaisons. Fin de règne et chute vraisemblable de la monarchie anglaise. À cette époque, l'étranger de ce côté-ci aura trahi son peuple sous l'empire d'une reine. À la descente du trône, les choses ne se feront pas comme le Seigneur l'exige. Ce peuple subira la vengeance de la déclaration d'une lutte sanglante à un trône étranger. Français n'attend aucun secours de l'étranger, rien, surtout de ce grand royaume dont la reine ambitieuse ne cherche que son intérêt. Les péripéties liées au Brexit correspondent à tout point à cette époque de troubles et de divisions annoncées. Marie-Julie précisa que l'Angleterre se diviserait en 4 parties. Mes enfants, je prévois qu'à la suite de ce trouble, qui ira jusqu'au sang et à la mort, il y aura un nouveau règne pour la terre anglaise et un choix se fera quand soudain la mort viendra frapper ceux qui ont en main le gouvernail de son royaume. Pour cette terre, il n'y a pas des années à attendre. Le choix d'un gouvernement, il se fera bien du mal et cette terre sera divisée en 4 parties car leur volonté ne s'accorde nullement. Ce chapitre anglais est d'autant plus édifiant que il désigne une reine et plus particulièrement la fin d'un règne exercé par une reine. Les extases de Marie-Julie étant considérées comme particulièrement fiables, et la reine Élisabeth II achevant à 93 ans le plus long règne de la monarchie anglaise, on avait 3 princes qui pouvaient prétendre à sa succession, donc le prince Charles de Galles en 48, fils de reine Élisabeth II, le prince William, duc de Cambridge, né en 82, fils du prince de Galles, et le prince George de Cambridge, né en 2013, fils du duc de Cambridge. La princesse Charlotte de Cambridge, née en 2015, fille du duc de Cambridge, n'arrive qu'en 4e position. Donc c'était donc le prince Charles hein, qui est arrivé, qui est devenu roi,
Nouvelle fois, tout désigne la descente donc du trône d'Élisabeth II, car aucune autre reine n'existe aujourd'hui et mesure de lui succéder. Marie-Julie nous livre une dernière extase relative aux mots destinés à l'Angleterre. La flamme dit le royaume des Anglais ont beaucoup, où beaucoup ne sont pas catholiques, ce royaume sera terriblement éprouvé. Le règne qui existe aujourd'hui ne doit pas avoir une durée bien longue. Là aussi, comme partout, il y aura beaucoup de mal et de désordre. Cette pauvre patrie, malgré la puissance de sa force, implorera le secours de l'étranger. Le pays qui aura été visité par son roi ne pourra s'empêcher, à cause de sa charité, d'envoyer ses enfants au secours de ce peuple en péril. Le Dieu des armées saura les protéger. Son royaume et la défense du lien de l'Église seront les seuls endroits où il voudra bien prêter son secours. Donc voilà en ce qui concerne donc les prophéties. Alors maintenant je vais parler donc d'astrologie hein, pour voir à peu près faire une mise à jour actuelle là. Donc suite au couronnement, voir les transits planétaires et aussi les directions secondaires du jour où, et l'heure au moment où le roi Charles III a été couronné officiellement. Alors d'abord voilà, je vous montre le thème astrologique. De Charles III du Royaume-Uni, donc né le 14 novembre 1948 à 21h14, 14 heures de Londres. Hein, donc il est Scorpion, ascendant Lion. Alors les transits pour le 6 mai. Alors c'est à 12 heures en Angleterre, hein, parce que c'est 13 heures hors de Paris avec le décalage horaire. Voilà donc. Voici les transits hein, autour du thème natal à l'extérieur, les planètes à l'extérieur. Donc, comme je disais, donc on avait l'axe des nœuds de Charles qui repassait à la place natale. Hein, il y a un retour des nœuds lunaires, comme on dit, sur les derniers degrés des signes Taureau-Scorpion. Alors, si on met les maisons astrologiques, on a même en transit, on a même le milieu du ciel qui transite également dessus. Alors ensuite, on a l'ascendant du début du couronnement qui a duré plus de 3 heures. Donc pareil, l'ascendant est en Lion, comme pour la naissance, sur son Pluton natal. Voilà, donc on avait l'ascendant et la lune noire là sur le Pluton natal. Donc ça fait beaucoup de zones d'ombre. Hein. En plus, sur Pluton, c'est un rapport avec le pouvoir. Pouvoir en Lion, le pouvoir monarchique, le pouvoir du roi. Sont dans le lion. Donc là, il y a quelque chose déjà de assez obscur avec la lune noire qui passe dessus. Hein. Il peut y avoir une dette karmique par rapport au pouvoir en place. Hein. Alors la lune noire transite également Pluton, et donc le tout carré à la conjonction Soleil-Uranus transite en maison 10. Donc ici, Soleil-Uranus en maison 10. Donc voilà, ça fait un carré. Donc ça peut être significateur de rupture soudaine. Un pouvoir royal, le soleil, représenté par le soleil aussi, maître d'ascendant natal et transit, et conjoint Uranus, là, en chute en taureau, donc un pouvoir qui peut être rompu à tout moment, hein, avec un carré de Uranus-Pluton, là, opposé soleil en plus, soleil natal, le soleil du roi Charles, hein, le soleil du roi. En scorpion, là, à cheval entre la 4 et la 5. Donc on voit déjà, il y a une dichotomie. Il est dans une position, on va dire, de siège éjectable, hein, avec un soleil Uranus, c'est la rébellion en face du pouvoir. Hein, la rébellion symbolisée par Uranus, hein, le pouvoir royal symbolisé par le soleil, de manière symbolique. Et donc tout ça s'est soumis quand même à des tensions assez puissantes avec ce T carré avec son Pluton natal et la lune noire. Donc on voit que c'est pas dans les auspices pour l'instant les plus favorables. Alors d'autant que Pluton, c'est la planète du Scorpion, donc il maîtrise le Soleil, comme on dit. Il a la maîtrise du Soleil en Scorpion. Donc là, il a un pouvoir qui peut être remis en question, qui peut être à tout moment contesté, notamment par le peuple, ou également voilà, des fortes. Un autre pouvoir également, peut-être qu'il y a il y avait d'autres peut-être prétendants, le prince William ou d'autres. Donc c'est vrai que ça peut être aussi contesté par rapport à certaines rivalités aussi au sein de cette famille royale. La lune du jour qui passe sur son soleil en scorpion. Donc au moment
voyez, au moment du couronnement, la Lune était en scorpion. C'était juste le lendemain de l'éclipse en plus. Il y avait une éclipse pénombrale lunaire là. Le 5 mai, donc le lendemain, le 6 mai, on voit que sa Lune passe sur le Soleil. Voilà, donc ça réactive hein, un peu cette position de tension hein, qu'on voit ici dans le ciel, ce grand écart. Donc c'est pareil, c'est pas très favorable, d'autant que la Lune est maîtresse de 12, donc ça indique des épreuves aussi par rapport à son pouvoir. Donc des épreuves, des choses difficiles cachées aussi, la Lune, peut-être des choses dans l'ombre hein, qui se font. Donc une Lune en maison 5, le pouvoir, hein, là on retrouve le côté du lion, la maison du lion, le côté royal. Donc c'est assez marqué, hein. Alors, on a également Mercure rétrograde en maison 10, opposé Mercure natal. Alors, Mercure est rétrograde. Alors déjà, ça c'est un indice aussi de quelque chose d'un peu compliqué de commencer des choses sous un Mercure rétrograde. C'est-à-dire que normalement, ça indique des retards, il faut éviter de signer, donc un couronnement peut poser peut-être des contestations, des retards, de revoir des choses, notamment dans sa façon de communiquer avec Mercure, d'échanger avec peut-être tout ce qu'au niveau social, dans sa 10, dans sa carrière. Donc là, il peut y avoir des problèmes de relationnel. Donc en plus, ça oppose son Mercure natal en Scorpion. Donc on retrouve encore une fois ce T-carré en plus avec Pluton, hein, qui est à cheval hein, en plus entre ces deux. Entre le Soleil et Mercure, donc forcément il est à la fois carré à Soleil, carré à Mercure, donc ça n'aide pas, hein. Ça donne quand même des idées un peu sombres, ça peut être une manipulation au niveau du pouvoir, ça peut être voilà, des choses en plus comme il est assez plutonien, parce qu'il est scorpion, bah, ça n'aide pas trop pour exercer ce pouvoir, donc il peut être remis en question encore une fois par ses idées, par ses principes. Et par contre cette conjonction tombe sur le nœud nord. D'un côté, il souhaite peut-être amener une certaine constance ou une régularité dans son exercice, ou une paix, que sais-je, enfin, j'ai du mal à y croire, mais il peut être forcément. Là, il peut y avoir beaucoup de polémiques, de discussions, de conflits, enfin, de désaccords, et donc des manipulations qui peuvent se faire en rapport avec comment dire, des groupes, des politiques. Parce qu'en rapport avec le milieu politique, hein, ça maîtrise la 11 qui est interceptée. Par rapport à forcément des histoires d'argent, voilà, on retrouve encore aussi les idées, hein, maison 3. Donc il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Donc c'est assez compliqué d'exercer sous un Mercure rétrograde, forcément. Ensuite, on regarde Vénus. Vénus transite, elle est maîtresse de la maison 10. Elle est conjointe à Uranus. Natal est opposé à Jupiter natal en 5. Alors, on voit ici Vénus ici en Gémeaux, fin du Gémeaux sur son Uranus natal et qui oppose Jupiter. Et donc là, c'est pareil, le sentiment de rébellion est présent. Alors là, c'est plus au niveau peut-être politique et affectif, mettre 2, 10, 11 en 11. Donc là, ça parle beaucoup de projets qui peuvent être remis en question, avec peut-être beaucoup d'excès, peut-être un peu trop d'arrogance, de suffisance, d'être un peu trop sûr de soi. Ça peut être soumis à des tensions et voilà, des remises en question, enfin des changements assez soudains au niveau politique. Alors après, voilà, à voir dans les détails, mais ça, c'est un indice au niveau de son travail, de la politique. De rupture, encore une fois, ça peut être des ruptures diplomatiques par exemple, des ruptures de. On retrouve en face la maison 5, forcément, Jupiter en 5, donc un pouvoir royal un peu avec trop de faste, comme on voit le décalage entre le faste royal hein, de la famille royale qui est multimilliardaire, avec en face le peuple qui est en train de crever, ni plus ni moins, avec la hausse des prix, etc. Donc tout ça crée quand même des fortes tensions. Alors on a quand même un trigone avec sa lune natale. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être une façon peut-être de se faire aimer ou d'être généreux ou d'essayer de faire passer la pilule de manière
on va dire assez bienveillante, mais bon, c'est peut-être voilà, quelque chose de façade, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des choses positives, donc ils peuvent se sentir quand même bien dans sa façon de gouverner, de pouvoir rayonner, etc. Ensuite, on a Mars transite en carré à Jupiter, donc maître de 5, et en carré large au milieu du ciel en bélier, dont il est le maître, mais trigone, soleil en scorpion, dont il maîtrise également. Donc Jupiter, il est ici. Il est pas loin de la Lune, mais bon, la Lune est en taureau. On pourrait le prendre presque en conjonction assez un peu large, mais il y a une conjonction quelque part qui commence à se former. Donc encore une fois, on retrouve le trigone de Jupiter natal, donc qui se reforme avec le Jupiter transit, qui passe dessus. Donc on voit encore le besoin de voilà d'étalement de richesse, de montrer sa supériorité, d'avoir des honneurs, de la réussite, du succès, hein, en maison 10, donc un Jupiter culminant, comme on dit, au zénith, là, donc il est assez positif, il est très, enfin, positif, non, oui et non, parce qu'il y a quand même des aspects assez conflictuels, mais il est quand même, on va dire, dans une position symbolique, en maison 10, quand même plutôt bénéfique. Donc ça, c'est vrai que ça l'aide au niveau du faste royal, d'être mis en avant, de pouvoir étaler sa richesse et d'être un peu sur ses aises, hein, mais ça peut donner de l'arrogance, malheureusement, et un peu trop d'excès, trop de dépenses. Et attention aussi, donc carré à Mars, un peu trop d'agacement. On sait qu'il s'énerve facilement, hein, le prince Charles, on a notamment l'histoire de l'épisode du stylo, hein, qui a été remis pour signer, hein, une feuille, que l'encre avait un peu giclé du stylo, et il en a fait tout un cinéma. Enfin, il s'est énervé, agacé, alors que c'est juste un stylo à changer, enfin, c'était pas non plus dramatique. Mais ouais, on voit que à un niveau, comment dire, on se prend pour aussi grand que Dieu, on peut parfois se sentir un peu trop hautain, arrogant et suffisant. Et donc là, voilà, on peut s'énerver pour des futilités, par exemple. Mais voilà, ça indique aussi au niveau du pouvoir que il peut prendre des excès, prendre des décisions un peu trop rapides, un peu trop à l'excès, être trop confiant en soi, ce qui peut créer aussi des tensions et des ennemis cachés, hein. Mais à Mars en 12, on peut là actuellement avoir des ennemis cachés. Alors je sais pas, après au niveau politique, dans son travail, peut-être pour les relations aussi internationales, second maître de 9, hein. Voilà, donc puis Jupiter là il oppose quand même les planètes en scorpion après, donc bon. Il y aura le carré à Pluton qu'on va avoir dès la mi-mai, donc on va avoir le pouvoir qui va se renforcer, hein. Enfin, forcément, un excès de pouvoir. Alors, on a Saturne en opposition exacte à sa position natale. Alors, ça c'est intéressant parce que. Ça c'est important, Saturne, on le voit, comme j'en avais déjà parlé. Il y a l'opposition de Saturne, qui revient tous les. Enfin, qui a lieu donc à certaines périodes d'âge. Donc là, il y a un qu'on appelle un demi-cycle. Hein. Saturne a fait. Elle a 74 ans, donc il y a 2 cycles et demi, pardon. Donc il y a une opposition de Saturne. Et là, ça crée beaucoup de blocages. Alors notamment au niveau finance, hein, dans l'axe de 8, alors peut-être faire attention aux dépenses, parce qu'on voit qu'il est dans les excès avec Jupiter. Donc là, ça peut jouer aussi sur l'économie, peut-être le faste de la monarchie, d'être un peu trop, voilà, de se prendre un peu trop au sérieux. Ça peut amener voilà, beaucoup aussi de brimades, peut-être qu'il faut revoir certaines choses, il y a peut-être des dépenses à privilégier pour autre chose, je sais pas. Et ça peut jouer sur le pays aussi, donc forcément il y a quelque chose de karmique. Il y a la lune noire pas loin en plus, hein, la lune noire, on voit ici la lune noire vraie. Donc Saturne passe dessus et ça fait comme pour Macron, comme j'avais dit, il vit l'opposition de Saturne, donc des blocages, des fortes résistances. Alors peut-être pour après, c'est un niveau plus comment dire, plus politisé ou plus. Alors c'est dans le travail, hein, maître de 6, second maître, enfin, troisième maître de 5, donc ça peut jouer encore sur son côté royal. Il peut y avoir des fortes résistances. Qu'on dit, il n'est pas forcément aimé de tous, hein. Il y en a qui ne le reconnaissent pas comme un roi légitime.
dû à ses affaires. Parce qu'on va être de 7, donc ça peut jouer aussi avec ses relations, le partenariat, les choses comme ça. Donc c'est pas forcément toujours facile à vivre malgré les apparences. Ensuite, on a Uranus transit en T-carré avec Soleil et Pluton natal. Donc là, Uranus transit T-carré avec Soleil, comme on a vu, Pluton natal. Hein. Bon, je vais pas revenir dessus, hein, c'est les risques de révolte, de revirement sous teinte de situation, ça peut être d'abdication dans le pire des cas. Voilà, donc à suivre. On a Neptune transit en 9, carré Jupiter natal en 5. Donc il est trigone au Soleil, un peu large, là il s'en va. Trigone Mars aussi qui va se faire, bon ça c'est passager dans le ciel, et carré Uranus d'ici un an ou deux. Alors Uranus-Neptune, sont les maîtres de 8, ça peut créer des crises, là. Une crise politique, hein, 11-9, dû à des questions au niveau étranger, hein, maison 9, donc peut-être la relation avec la Russie, les États-Unis, à voir. Il peut y avoir là des problèmes assez importants qui peuvent créer un peu un chaos, hein, un peu des complications, on est un peu perdu, on peut y avoir des choses assez difficiles à résoudre. Donc ça serait pas tout de suite, mais ça commence tout doucement à avoir lieu. Et puis il y a le carré Jupiter, hein, alors il n'est pas affiché, Jupiter natal. Pareil, il arrivera d'ici 2 ans à peu près, donc on verra ce qui se passera, hein, d'ici là, 2-3 ans. Là, c'est pareil, un grand flou, des grandes désillusions. Hein. Jupiter en 5, donc peut-être son pouvoir royal remis en question, qui se dissout. Tu as des problèmes en rapport avec l'étranger, les problèmes maritimes. On pense à ce qui peut arriver par la suite sur l'Angleterre, s'il y a une inondation. Dû à des raz-de-marée par des missiles russes, selon les prophéties, donc à voir. Et enfin, Pluton carré la Lune natale, donc je dirais c'est le transit le plus important, celui qu'il faut retenir, hein, celui qui est majeur. On le voit ici, Pluton vient d'arriver en Verseau depuis mars, et carré la Lune, j'en avais parlé. Donc avant qu'il arrive en carré, il y avait déjà un peu l'influence qui était présente, il y a eu le décès de sa mère, hein, Pluton carré Lune, ça c'est parlant. Et là, il en aspect exact, ça parle aussi du peuple, on voit qu'il y a une crise politique au niveau. Crise sociale au niveau de l'Angleterre par rapport à la, je vous ai dit, aux hausses de la coût de la vie, des problèmes de l'inflation, des pénuries, etc. Donc forcément, ça, c'est toujours dans le ciel actuellement, ça cristallise une crise, oui, politique et puis intérieure du pays. Donc à gérer, pas facile à gérer au quotidien, hein, plutôt en 6, dans son travail. Donc un pouvoir qui est quand même compliqué à gérer. Hein. Donc là, Pluton est rétrograde, donc il va revenir à nouveau en 6, enfin en Capricorne, et après il va revenir. On verra hein, dès la fin de l'année prochaine, carré à la Lune à nouveau. Donc on n'est pas à l'abri de nouveaux soulèvements, comme en France d'ailleurs. Donc on voit, hein, puis le Nord là, passe bientôt sur la Lune, prochainement. Hein, là il est dessus, voilà, d'ici 1 ou 2 mois, juin, juillet. Donc pendant l'été, là, il y aura quelque chose à suivre, c'est important aussi. Sans doute, à ce niveau-là, on sait qu'il a aussi, il est assez âgé, donc ça peut être des problèmes de santé. Hein. La maison 12, ça peut être des complications de la santé qui jouent sur son moral. La lune, les émotions, les problèmes, la fatigue, etc. Donc à voir après, qu'est-ce qu'il en sera d'ici là. Donc voilà, tout ceci indique sans doute de grands changements dans la marche de la royauté, hein, qui a toujours su aussi s'adapter, mais voilà. Pour l'instant, donc je ne vais pas trop loin, je regarde juste au moment du couronnement. C'est vrai qu'on voit que bah, c'est pas sûr qu'il reste au pouvoir longtemps avec de tels transits pour moi. Donc ça pourrait correspondre aux prophéties. Alors à savoir quand est-ce qu'il peut abdiquer ou changer ou devoir céder le trône ou se faire éjecter, ça c'est plus difficile à dire. Mais déjà le carré Pluton-Lune, il est à suivre hein, tout au long de cette année et l'année prochaine. Après, on réactualisera à ce moment-là, s'il y a besoin, selon les événements, voir ce qu'il en sera. Car pour l'instant, voilà, on ne voit pas non plus de rupture nette et franche pour le moment. Donc ça peut durer aussi encore des dizaines d'années, hein, même si il se fait élire sous des aspects difficiles. Il est censé régner quand même assez longtemps, normalement, malgré son âge avancé, mais voilà.
Ça peut peut-être être une durée de 5, 10 ans, on verra. Hein. C'est pas forcément là, dans les 1 ou 2 ans à venir, que tout peut basculer. Donc pour l'instant, voilà, c'était surtout pour se concentrer sur le couronnement. On voit quand même, comme beaucoup de voyants médiums ont parlé que son règne ne durerait pas. Alors peut-être qu'ils sont influencés par les prophéties, hein, mais s'ils ne connaissent pas les prophéties, c'est vrai que c'est assez concordant. Donc voilà, bon, c'était pour faire un petit point là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Vous pouvez aussi me consulter si vous le souhaitez. Tous les liens sont sous la vidéo en descriptif et à la fin de la vidéo également. Voilà, donc je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.